c'est un petit peu le moment détente de l'émission. On essaie de, voilà, de connaître un peu plus de choses sur nos invités. On a une ITV, tu préfères, que je vais te poser donc. Tu préfères, tu me dis quel élément, etc. etc. Ça va ? Denver ou Pau ? On joue à Denver comme ça. T'étais pas loin. On va commencer par la première. Le Mans ou Denver ? Okay. Le Mans ou Denver ? Ah, Denver. Denver ? Ouais. Pourquoi ? Au niveau de la ville ou au niveau du club ? Au niveau de quoi ? Ce que tu veux. Qu'est-ce qui te fait pencher pour un... La montagne. Denver. Denver, bah, Denver, déjà, c'est l'environnement. Il y a la montagne, c'est une grande ville. C'est joli. Enfin, le climat est top. C'est tout le temps beau. Ouais. Donc, il fait juste ultra sec. Ça, c'est chiant. Mais sinon, c'est génial. Ouais, Denver, ouais. Au moins, il y a les 24 heures du Mans, c'est cool. Il y a le tram. Aussi. Et les rillettes. Aussi. Allez, on a tout dit. Shoot au buzzer ou poster dunk pardon, sur LeBron James, par exemple. Poster, mais... Bien sûr. Mais ça dépend, shoot au buzzer sur quoi comme match ? Game 7 des Game finales. Game 7 des finales, oui, on n'en parle pas, on va dire saison régulière, ah oui, non, quelque chose non. de marquant. Quoi. Non, poster. Poster ? Ok. Lisbonne ou Tel Aviv ? On sait que t'as été... J'étais à Tel Aviv. Mykonos, pardon, on me dit Mykonos dans l'oreillette. Ah, Mykonos, ou Tel Aviv. Mykonos. Mykonos ? Allez, Mykonos. C'est que tu voyages beaucoup, c'est des villes que tu peux... J'aime bien voyager, ça. Ok. Apparemment, t'as fait une demande au mariage. J'ai fait ça, ouais. Ah, d'accord. Bien. Monsieur est romantique, hein ? Oui. A priori, oui. Oui. Bah, on voit des images à l'écran, regarde. Ok. Plutôt pas mal, hein. Ambiance, cadre, coucher de soleil. Stan Mykonos. Voilà, il donne des idées à d'autres, j'espère qu'on pourra faire pareil. Il filme bien, hein. Il fait des bons vlogs. Il filme bien aussi. C'est certain de nous que certains de vous. Allez, on continue. Drake ou Marley ? Je vais faire du politiquement correct. J'aime mes deux chiens, tout pareil. Pareil ? Tout pareil. Fan des chiens, depuis toujours ? Oui. Après, oui. Ok. Grand fan de voiture aussi. Très grand fan. Ok. Porsche ou Ford Mustang ? Porsche. Porsche ? Pas de... J'ai deux Mustangs, mais oui, Porsche. Ok. le projet, c'est Porsche. Ouais. Après, c'est des voitures différentes, mais oui, Porsche. Ça marche. Vacances à la plage ou à la montagne ? À la montagne. Ok. Jokic ou Steph Curry ? Ah, c'est dur ça. Parce que Jokic lui a fait mal cette année. Ah, c'est dur ça. Je veux dire Steph Curry, parce que MVP des finales et tout bordel, mais. Jokic, mais... c'est incroyable. Moi. Ouais, Jokic, c'est vraiment impressionnant. Incroyable. En termes de QI basket et de tout, en fait, c'est incroyable. Je lui souhaite de gagner un titre, vraiment. Ce serait vraiment mérité. Le style de d'Evan Fournier ou celui de Rudy Gobert ? Style vestimentaire, fashion. On sait que les deux font le travail. Tente des trucs. Je vais dire Rudy parce que c'est marrant. Ok. Et toi, sur ton style vestimentaire ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? T'es sûr ? C'est pas un objectif. Regarde. Ok. C'est pas un style, ça ? Moi, clairement. C'est bon, c'est net, là. Allez, sur 10. Sur 10, tu te donnes combien ? Ah, j'ai le cul, là, quand même. Quand même. 6, 7. Allez, oh, parce que c'est pas ultra recherché, mais c'est... Très bien, on fait les efforts. Voilà. Ok. Nick Stauskas ou Isaiah Thomas ? T'as joué avec les deux. Nick Stauskas. Ok, pourquoi ? Parce que c'est un super gars. Ouais. Je dis pas que Isaiah Thomas c'est pas un super gars, mais ouais. Lui c'est vraiment un super gars. Que... C'est un vrai joueur de basket. Mm-hmm. Ah. Non. Isaiah Thomas. Quand j'ai joué avec lui, il venait pour shooter, quoi, tu vois. Ok. On je lui en veux pas. On connaît le profil. Voilà, c'est ça. C'est un style, quoi. Voilà. Ta plus grande émotion ? La médaille d'argent au jeu ou le jour de ta draft ? C'est pas facile, tout ça. Bah, la draft, c'était incroyable, c'était bien, etc. Après, c'était long, quoi. C'est quand t'es choisi 53e, c'est très très long. On attend. Donc, ça dilue un petit peu l'émotion, quand même. Ouais. Voilà. Je veux dire, les JO pour l'expérience. Après, ce qui manquait un petit peu aux JO, c'était la fierté personnelle de me dire j'ai joué, j'ai participé vraiment à la victoire. Tu vois.
peut-être qui manque un peu. Ok. On sait que Lucas disait que tu faisais de la photo et de la vidéo. Tu préfères quoi entre les deux, photo ou vidéo? Vidéo. Tu filmes un peu, tu t'essayes des choses? Ouais. Ok. Tu vlogs? Tu vlogs? Non, avant un peu, maintenant moi. Ok. Mais non, j'aime bien faire des vidéos de mes voyages, surtout. Le playground du Péré à Paris ou le street basketball Ous des Bois à Pau? Celui de Paris. Il est vraiment sympa. De Levallois, je veux dire. Ok. Celui de Rudy, tu parles? Oui. Ouais, il est sympa. Il est vraiment sympa. Et dernière question, faire du airsoft avec ta femme ou défier ta sœur au basket? Ah, t'es parti loin de nous. On a cherché, ouais. On sait que t'es fan. On sait que t'es fan, pardon, de ça. Le airsoft. Ok. Airsoft, sympa. Très bien. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions préparées aussi par Lucien, hein, notre chef d'édition qui cherche tout ça pour nous. Lucien, et qui construit partout, aussi, hein. Qui construit un petit peu l'émission.